Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous montrer ce que j'ai reçu de mes scrap copines. Alors, à l'intérieur, un happy mail. Avec un petit mot, des sucres d'orge, un petit, comment on appelle ça? Un petit moulin, monté sur une paille. Des petits aiguilles en fil de fer, une brade en forme de flocon, une rosace jetée également sur une paille avec un petit nœud en ruban, encore un nœud ici, une petite boule, deux étoiles, une petite plume, une autre, encore une petite boule, un flocon et deux rosaces l'une sur l'autre. On a un petit trombone altéré, des petits rubans, une étoile. Pochette contenant des ABC, une fleur de Noël, une branche, une jolie découpe, un grain de folie, c'est le secret du bonheur, une petite fleur. Un washi tape 3 strass, encore là. Un autre ABC avec mes amis les Osio de chez Tim Holmes. Deux beaux strass, 3 strass. Un tag. Les rêves deviennent réalité, il suffit d'y croire. Ça me fait deux ABC à mettre dans mon album. Ici, on a encore une pochette avec un petit trombone altéré. On trouve des attestants. Alors, on a du papier embossé à froid en fond avec le cachet de la poste, une petite découpe, un petit biscuit qui apporte une friandise. Ici, un gnome. Et ici, deux flocons. Avec une petite enveloppe Joyeux Noël. On a un ticket bonheur. Merry Christmas. Avec encore un petit biscuit. Des timbres, enfin, le tamponnage de la poste. Un petit strass.
Nous avons encore une petite pochette. Un nouveau trombone, celui-ci circulaire. Ici, une Memory Dex avec une découpe de la voiture avec des cadeaux, un petit message en anglais, une bande de washi tape, une étoile, un flocon, un strass, une ATC avec un petit sentiment. Bonheur sans l'ombre d'un petit nuage, une découpe du Père Noël, une petite fleur munie d'un strass, de la paillette et le fond, on retrouve le fond embossé à froid. Donc ici la pumelle, très beau décor, un flocon, un renne, un sapin, un autre. Un flocon, une guirlande, ici une bordure avec un ruban en zigzag, un nœud, grosse trace, une pince avec un grelot, derrière on a une petite pochette avec une guirlande, une découpe, une fleur en tissu, une petite bouteille Happy New Year, une pochette et encore un petit pic avec une horloge. À l'intérieur, on trouve un petit trombone, mon petit mot, une mini enveloppe, à l'intérieur une jolie découpe de cœur, un petit tag. Un joli tag pailleté avec une couronne en 3D, un joli nœud, un cœur, deux strass, je vais prendre le temps de remettre tout ça dans la pumelle et je vous retrouve pour deux autres pochettes. Alors la première pochette, on a une pince, un petit napperon, des découpes, des sapins, je ne sais pas si ça peut imaginer, un portrait, un cœur, un sapin, un autre sapin, on dirait une serrure, mais bon, je sais pas trop si c'est une serrure. La tour Eiffel. Paris. Un autre sapin. C'est pas bête, c'est avec des emballages de biscuits. C'est l'intérieur de l'emballage. Un réverbère, on retrouve une petite fantaisie, une tour Eiffel, un cadre, à nouveau un cœur, un rectangle, le fond du cadre, ici un cadre
avec son fond, un petit flacon de parfum, un joli mood board très pastel. On a dû réaliser avec un pochoir et des die cuts. Des morceaux de papier embossé à froid. Une autre pochette, cette fois-ci c'est une pince à linge pailletée avec son petit napperon. Une jolie carte pop-up. Meilleurs vœux. C'est la banquise. Donc on trouve l'iceberg, l'ours blanc, les stalactites. Ici, je vois pas. Ah, c'est un petit piou-piou. Encore un iceberg. Trois glaçons. Le petit message meilleurs vœux. Et toi, trois drops. Pailleté avec un de fausse neige pailleté, et à l'intérieur on retrouve la famille ours avec un phoque, un lapin, un bébé phoque, une carte, je pense qu'on peut appeler ça pop-up aussi, hein, qui se déplie. Avec en premier le sapin, les boules toutes mises en 3D, l'étoile, le strass, encore deux strass, ici des cadeaux positionnés en 3D. À l'intérieur, il y a deux rangées sur lesquelles on voit elle a posé des maisons enneigées, une guirlande sur le fond. Un petit message en anglais, une maison, ici des chaussettes, des moufles, je vois pas bien ce que c'est là, un sapin, le petit chat et mon petit mot derrière. Et on retrouve un ABC. Les rêves deviennent réalité, il suffit d'y croire. On retrouve nos petits oiseaux, la plume, des feuillages, du tamponnage en fond. Il n'y a pas que ça. Il y avait également des friandises, du chocolat, des truffes fantaisie, vraiment très très gâté. Un deuxième cadeau, alors j'ai déjà déballé, je vais vous faire voir, il s'agit d'une jolie tasse remplie de petites friandises chocolat. Des strass,
dans une jolie tasse. Regardez comme c'est beau. Super. Avec une enveloppe. Une jolie découpe de sapin avec les boules, s'il vous plaît, en rajouter, coller une par une étoile, une fleur de Noël. Un petit message, un washi tape qui traverse le carré en papier structuré et des petites strass, et chaque boule a son petit strass ainsi que la poinsettia et mon petit mot à l'intérieur. Jamais 203. Un gros biscuit. Une boîte en forme de gros biscuit. Alors ici, c'est pas du scrap, mais c'est très très joli. Une petite chaussette pour Noël. Trop mignonne. Merry Christmas. Des gourmandises. Et trois tags fantasy. Ils sont trop beaux. Des petits Père Noël. J'étais super gâtée. Je vous fais de gros gros bisous. Si on ne se revoit pas, passez de jolies fêtes de Noël, de fin d'année. Et je vous embrasse. Bisous. Bye bye.